Tantôt, ce que nous avons fait, nous avons complètement rempli l'espace en piezomatture d'un diélectrique. Mais ce qu'on peut faire, c'est remplir une partie de cet espace. Il y a deux façons d'y arriver. On peut remplir la moitié de la distance en piezomatture d'un diélectrique. Présentement, la capacité est de 22,2. Si j'insère dans la moitié de la distance en piezomatture du verre, eh bien, la capacité a changé. Elle est maintenant de 35,8. Cet arrangement-là, c'est équivalent à avoir deux condensateurs. Un qui est complètement garni de verre et l'autre condensateur qui est garni d'air. Et ces deux condensateurs-là seraient associés en série. Il y a une autre façon de remplir partiellement l'espace entre les armatures. C'est de remplir la moitié de la surface. Alors, si on remplit la moitié de la surface avec du papier, on peut voir que la capacité est maintenant de 44,8. Cette façon de garnir le condensateur, c'est équivalent à avoir deux condensateurs qui sont en parallèle. Un qui est complètement garni de papier et l'autre qui est complètement garni d'air.